3, 2, 1, salut à tous les amis, c'est Henri, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour un tour de main. Donc comme je disais, on se retrouve pour un tour de magie. Donc on se retrouve pour un tour de magie. On va faire rentrer une petite disquette comme ça dans un ballon. Voilà. Et en fait, il y avait un autre tour de magie avec une écharpe. Faire pencher l'écharpe autour de son cou. Donc voilà, on va faire l'écharpe. Mais je ferai ça un autre jour. Donc, comme je vous dis, faire passer à travers le ballon. En fait, on va presser tout. Et en fait, la disquette va passer à travers le ballon. Mais le souci, c'est comme ça a des coins. Dès que c'est dans le ballon, ça éclate. Et je vais vous montrer le premier essai ce que ça a donné. Donc, en fait, le ballon va être gonflé et on va faire rentrer la disquette dans le ballon. Et quand la disquette ça dans le ballon, faut pas trop le faire bouger parce que les coins, ça va faire éclater le ballon. Je vais vous montrer. En fait, au début j'avais bien fait rentrer la disquette dans le ballon. Et puis je m'amusais à jouer avec. Pour essayer de la sortir. Le ballon va éclater. Donc je vais vous montrer. Je la laisse des petits morceaux. Je prends. Voilà. Voilà. Donc voici ce que ça donnait, le morceau de mon ballon. Donc ce beau ballon était comme ça, là. Et maintenant il est comme ça. Voilà, à la poubelle. Vous voyez, ils sont dans ma petite poubelle. Hein. Mais ça sera pour un autre tour. Il est déjà un peu moins qu'en autre tour là. Parce que j'ai un peu vu dans sa prime. C'est parfait, on va faire sur l'écharpe aujourd'hui. C'est parfait, l'écharpe. Il fait froid dehors. Parfait. Donc, on passe d'abord à la démonstration. Voilà. Donc j'enroule l'écharpe autour de mon cou. Mais par contre, je voulais la mettre pour aller dehors parce qu'il fait froid dehors. Mais voilà. Là, pour finir, je vais pas aller dehors. Je suis à l'intérieur donc je vais la retirer. Voilà. Donc je vous le refais une fois. Donc je vais aller dehors. Voilà. Mon écharpe est mise. Pour finir, je veux pas aller dehors. Regardez. Je peux dire aussi fort que je veux. Regardez, la corde est très bien tendue, gars. Regardez, on peut jouer avec. Elle est très bien tendue. Voilà, parce que je vous promets, c'était vraiment serré. Donc si je tire, je m'étrangle. Là, des doigts. Ouya ! On passe tout de suite aux explications. Alors, pour les explications de ce tour, il faudra un coup. Deux mains, une écharpe, et bien sûr un cerveau. Je rigolais! C'est moi qui ai fait craquer là. Excusez-moi, tout le monde vient. Une écharpe, ou plutôt un foulard, c'est un peu plus facile parce que c'est plus fin. Maintenant, si c'est une écharpe, ça colle aussi, mais il faut qu'elle soit un peu plus longue. Donc moi, regardez à peu près la longueur de mon foulard, voilà. Donc, pour ce tour, vous allez, si vous êtes droitier, je vais montrer pour les droitiers parce que je suis droitier, si vous êtes gaucher, vous faites dans l'autre sens, tout simplement. Donc pour les droitiers, vous allez prendre la main droite que vous avez. Ah oui, j'ai oublié. Au foulard,
vous mettez même allez même hauteur, voilà, sauf le côté droit qui va être à la moitié de l'autre, donc ça va vous donner ça. Donc ça c'est mon côté droit et ça c'est mon côté gauche, et regardez, c'est à la moitié, voilà. Donc pour ce tour, vous allez prendre la main droite, vous allez prendre le bout gauche, vous allez prendre la main gauche comme vous allez prendre la main droite. Donc la main gauche est en dessous de la main droite et bien sûr la main droite est au-dessus de la main gauche. Avec la main droite, vous venez ici, donc faire un nœud comme ça. Enfin, c'est pas vraiment faire un nœud, je sais pas si vous voyez bien. Donc en gros, on vient faire comme ça. Donc bien sûr, ici, il y a le long bout qui pend. Hein. Donc on vient ici. Avec la main gauche, on vient ici derrière, passe de l'autre côté. On tient toujours hein, le petit nœud ici. On tire un peu. Voilà. Il faut pas, en fait, derrière il y a un nœud. Il faut pas que le. Enfin, un nœud. Une boucle, mais en fait, faut pas que le. Que le gars le voie. Donc, je le refais depuis le début. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, après, vous avez la même taille ici. Il fait chaud. En fait, c'est ça que je disais tout à l'heure. C'est vrai que je m'étranglais tout à l'heure, c'est vrai. Parce qu'en tirant vers le bas, ça étrangle. C'est en tirant sur les côtés que ça n'étrangle pas. Si vous tirez vers le bas, ça va pas aller. Sur les côtés, ça va aller. Voilà. Donc, maintenant, essayez de le faire rapidement. Rapidement, ça donne ça. On ne voit rien du tout. On ne voit même pas qu'on fait un nœud. Donc voilà ce que ça donne rapidement. Hop, voilà. On voit même pas qu'on... On voit qu'on a été cherché, mais on se doute pas que c'est pour un tour. On dirait qu'on prend et hop. Non. Vous voyez, ça en fait lentement, ça fait ça. Le gars, il se doute de quelque chose, quoi. Bien sûr, moi, j'ai expliqué avec qu'il faut tirer un petit peu la languette. C'est pas vraiment obligé. Donc, je ne vais pas choper la caméra. C'est pas vraiment obligé. Mais moi, je le fais quand même parce que c'est mieux. Donc, hop, hop, hop. Voilà. C'est ça. Donc, là, je viens de le faire. Donc, hop, 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 hop. Voilà. Donc, c'est tout pour ce tour. Demain, je sortirai une nouvelle vidéo de Balloon. Et voilà. J'espère que ça vous a plu, les amis. Je vous dis à demain. Lâchez un like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. C'est tout ce que je peux vous dire. Si vous n'avez pas aimé, dislikez. Si vous avez aimé, likez. Allez, à demain les amis, bonne vidéo !